bonsoir. Oui. Donc c'est Yasmine Alsika, coordinatrice de l'événement African and Reggae Vibe. Donc, voilà. Au cours de ces 3 jours, il y a eu beaucoup de monde quand même qui ont beaucoup apprécié l'événement. Les exposants, ils étaient très contents. Donc tout s'est passé dans une très bonne ambiance. Nous remercions tous les sponsors, tous les exposants qui ont participé. Et quelque chose encore. Alors pour plus tard, nous aimerions quand même que ce soit un plus gros festival, éventuellement faire venir des artistes de l'extérieur, que ce soit du Ghana, du Bénin, du Burkina Faso, Niger, pour essayer de faire quelque chose de plus grand et de vraiment mettre en valeur les rythmes africains, en fait, que ce soit moderne ou traditionnel. Donc, voilà. Ce qui n'a pas marché, je pourrais dire que comme nous y sommes pris un peu tard, il n'y a pas eu une grande communication autour, ce qui a fait que les gens, ils ne sont pas... Ils n'étaient pas au courant. Il y en a d'autres qui ont découvert ça au fil des jours. Sinon, ils seraient venus plus tôt. Et à part ça, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Les artistes, ils ont été excellents. Ils ont été plus qu'excellents, même, j'ai raison. Ils ont mis le feu à toutes les scènes, que ce soit la troupe Akaba, que ce soit Assassin, Arcane, Elom, Bestial, tous les autres rappeurs, Black Label. Aujourd'hui, il y a eu Omniscente qui fait du slam. Eux aussi, ils ont été super cool. Donc là, vous voyez là, tous les sponsors, partenaires et les exposants qu'on remercie encore. Voilà.